Le gouvernement ivoirien a décidé d'augmenter les factures d'électricité de 10%, et ce, dès le 1er janvier 2024. Ça veut dire que si tu payais 10 000 francs, désormais tu payes 11 000. Cet ajustement s'applique à tous les utilisateurs d'électricité. Je sais que vous vous demandez pourquoi cette augmentation soudaine. Selon un expert en électricité, les barrages hydroélectriques qui nous servent à avoir le courant ne peuvent plus à eux seuls alimenter tous les foyers en Côte d'Ivoire. Donc pour compenser ce manque, il faut de l'énergie nucléaire qui coûte excessivement cher à cause de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Le gouvernement donc a demandé un effort supplémentaire aux abonnés de l'électricité. Selon le gouvernement, cet ajustement permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir un taux de couverture d'électricité de 100% sur tout le territoire ivoirien en 2025. Donc en d'autres termes, en 2025, toute la Côte d'Ivoire, même les coins les plus reculés, auront de l'électricité. Il faut souligner que malgré les efforts demandés par le gouvernement, le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire est l'un des plus faibles de toute la sous-région. Bon les amis, c'est tout pour moi. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette augmentation et restez fidèles à VNews.